Solidarité avec les femmes du monde entier. Sans solidarité avec les femmes du monde entier. Sans solidarité avec les femmes du monde entier. Prenez-vous avec la tour Eiffel. Mélanie Body. Ah, il faut en profiter, hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Wouh! Ça, c'est une vidéo, mais je ne vais pas rester. Super. Ah, bon, in the name of God, of the... Au nom de Dieu, du patriarcat et du mal. Of the patriarcat and the male. C'est dur à lire, hein? Mais c'est pas grave, on finit par comprendre. Oui. Ah, super. C'est pour les Américaines. Mélanie Body.
disons que l'avortement sera garanti dans la Constitution. Mais maintenant, nous avons des choses à faire. La loi qui vient d'être passée, la loi dite Gaillot, prévoit que les sages-femmes fassent des avortements instrumentaux, c'est-à-dire pas des médicaments, mais par la méthode chirurgicale. C'est la bienvenue, parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans tous les domaines, donc aussi pour pratiquer des IVG. Mais il y a un petit problème, c'est que les décrets d'application de la partie de cette loi, c'est-à-dire sur les sages-femmes qui font des IVG instrumentales, n'est pas sorti. Nous voulons que ces décrets sortent immédiatement. Nous avons toujours une double clause de conscience sur l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui peuvent dire, et des sages-femmes d'ailleurs, qui peuvent dire non, non, moi je ne pratique pas d'avortement. Sauf que elles et ils ne sont pas répertoriés et que les femmes qui viennent les voir l'apprennent quand elles viennent les voir. Et à ce moment-là, elles ont perdu du temps. Et 14 semaines, c'est pas beaucoup. Qu'on fasse virer cette double clause de conscience. Ouais. Autre chose, 130 centres qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse ont été fermés. Il faut qu'ils réouvrent. C'est pas uniquement le droit à l'avortement, c'est aussi l'accès à l'avortement. Et quand les délais sont comptés, on ne veut pas perdre de temps. Il faut former beaucoup plus d'étudiantes et d'étudiants en médecine et dans tout le secteur paramédical. On en manque partout. Il faut en former. Il faut améliorer les conditions de travail des soignantes et des soignants. Il faut les augmenter. Il faut réouvrir et les fermer. Il faut défendre l'hôpital public. Alors, je le disais, nous avons lutté pour le droit à l'avortement, nous luttons toujours, mais la jeune génération est là. Et ce flambeau, il faut qu'on le fasse. Parce que nous, bravo la danseuse. Et que nous manifesterons aussi. Donc avant de disperser la manifestation, et on a pris rendez-vous, je passe la parole à la relève, je passe la parole à Yona. Yona! Avant le 24 septembre. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier. À bientôt. Et c'est nous qui décidons.